gars sûr. Eh, faut pas qu'on meure. Hein. Pas le con. Ah, t'as laissé le camping-car. Regarde, ça fait chier tout le monde, frère, non? Ah non. Ça y est, il est déjà avec l'aileron et tout. Attends, je vais sortir la mienne, frère. Je viens de voir la gueule qu'elle a. T'es fou, toi. Waouh, mon pélo! Oh, elle a été upgrade de ouf, ma caisse! Ah ouais! Fouah! Eh, je la laisse comme ça, carrément! Je pourrais au moins virer la roue à l'arrière. Ouais, je pense. Mais tu peux le faire où? D'ici, non? Dans le gars? Non, faut que t'ailles au LS Custom. Ah, mais y'en a qui en ville, c'est le garage des mecs, non? Je pense. Y'a celui où on était. Hein. Où ça, celui où on était? Allez, on était dans un custom là avant. Ah ouais. Y'en a pas un ici, custom? Je crois pas. J'ai plus. Tu prends ta caisse là? Bah ouais, je pense, j'ai envie d'aller retirer la roue là. Tant qu'à faire, puis après je la rangerai là-bas ou quoi, je la mettrai de côté là-bas, je m'en branle, tu vois ce que je veux dire? Bah viens, on y va. Vas-y, vas-y, on y va. Pen spray, là, c'est le garage, c'est pas le pen spray. Ça. Hop, hop, hop. Attention, elle est une stas, là, gars. Ah, c'est pas celle-là? Merde. Ici, c'est là. C'est ça. Merde. Ah, mais je suis un ouf! Il y a ta caille dedans! Elle laisse la place là! Faut que je retire cette putain de roue de secours de merde là! Je vais mettre le pot de ouf. Ils ont banni le...
Allez, con. Ils ont même pas mis le petit radiateur là. Fait chier. Il y a un level 2 quand même. Ouais, je vais essayer comme ça, je crois. Allez, circule, laisse la place là. Quoi, ça me propose rien, sa mère. On va faire entrer. Ah, tout à l'heure, ça me propose. Ah, voilà. Regarde le moulin qu'il a. Un gros moulin. Hein. Il y a un gros moulin là. Il a rien dans le cul, je lui mets la pilule. Je lui mets la pilule avec ma voiture. T'entends là, Dieu? Ouais, ouais, ouais. Merde. Bah, allez-y, hein, je vais attendre les dépanneurs. Ah putain, la poisse. Personne ne viendra. Ah, pas mal, bonne réponse. C'est cool. C'est ça, ou... Putain, y'a un mec qui a avec son maître chien là-bas, il m'a fait flipper ce bâtard. Ah ouais. Tu laisses ta caisse là, Joe, t'as pas peur qu'elle... Je l'ai fermé à clé, ma couille, hein, t'inquiète, hein. Qu'elle se fasse pop-pop, quoi. Pop-pop, quoi. De toute façon, je pourrais pas la rouvrir, je l'ai fermée à clé, frère. Je vais m'asseoir dans celle à smoke, elle est condamnée. Je la laisse là-bas, quoi. Tu sais qu'avec le nouveau garage, je me suis fait une sieste, baisé, quoi. Faut que t'attendes le... Tempête. Ah, mais... Non, non, mais je viendrai la rechercher avec smoke ou quoi, mais... Ouais, t'inquiète, je fais rien. Qu'elle dit pop-pop-pop-pop. Bah, si j'arrive pas à l'ouvrir, j'en ai rien à branler qu'il y a des pop-pop-pop-pop. Tu vas se dire, s'ils ont arrangé le truc qu'on peut les rouvrir. Dans le garage, gars. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est pas de ma faute, c'est de la merde. Ouais, les gars, ok. Le dépanneur arrive. Ah, ça y est, y en a un qui arrive là. Bah ouais, en fait. Ouais, Mathéo. Allez-y, hein, tant pis. Joe, bah, moi, faut que je trouve. À la mine, vite fait. Mais quelle mine, je m'en bats les couilles, moi, faut que j'attrape Guedin là, que je lui passe la valise, après on va où tu veux, là, je m'en bats les couilles. Adieu. Ouais. Bah, je crois qu'il a. Ah non, il a retrouvé les clés. J'allais dire, il a perdu les clés. Ouais, je crois. Ouais, je veux voir ça. Déjà, faudrait que j'arrive à rentrer dans son putain de gamos, ça, lui. Ah ouais, elle était un peu grippée, la poignée de merde. Ouais, relève bien. Yeah. T'es où, toi, Danny? En ville. Après, je passe te checker la valise ou quoi, ou... Ouais, bah, on t'entend. Et... Oh, l'échappement qui nous a mis, Jackie. Ah, il était comme ça, déjà. Waouh, waouh, waouh. C'est qui ça? Je sais pas. Putain, ça conduit vite mon pélo là! C'est qui?
Ah putain, c'est le dépanneur. Nouvelle dépanneuse high-tech, hein. Ah, pas de problème. Ah, ça va, rien d'abîmé. Putain, bah ben non, heureusement, hein, ça a failli, mais non, non, ça va. Hein. C'est pas passé loin, quoi. Ah, on a eu chaud, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Ah, ça va. Bon, vas-y, on va te laisser. Je m'en vais dépanner parce que j'ai un appel loin, c'est pour ça que j'ai pris la voiture, j'avais pas le temps de retourner chercher le panneau. Ok, ça marche. Ok, ok. Ah, bonne route. Allez, bon courage à toi aussi, Ting. Dépannage d'urgence, hein. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. C'est une Sultan toute max, c'est ça, hein? Ouais, je sais pas. Combien vaut ça, la Sultan? Putain, les mecs, ils... Je sais pas, j'allais voir. Ils ont des caisses mieux que nous, frère. Ils sont là depuis une semaine, les gars. 90 000, la Sultan. Ouais, j'ai pas cher. Ah, ça va. Ah, je vais aller m'en acheter une, t'as vu comment elle bombarde? Ouais. T'es fou, t'as préparé et tout, là. J'arrive. T'es où? Ouais, mais nous, on a tes cales, Dani. On revient vers la ville, tu m'as dit que t'étais en ville. Bah non, mais attends, dites-moi où je suis. Dites-moi où vous voulez. On va aller à la... On va déposer de l'argent, Smoke, à la première... l'argent sur la droite, après l'autoroute. Attends, ouais, c'est là, et à droite, la première. Ouais, mais faut qu'il retire son... Faut que tu retires ton point, s'il te plaît, Smoke, pour que je puisse mettre le mien avec le téléphone. Ah ouais, merde. Vous allez arriver, le garage s'ouvre, vous rentrez, vous mettez la voiture. Vas-y, vas-y, ça marche, on arrive. C'est bien, c'est à la position GPS, là, ça, c'est lourd. Et je pose juste de l'argent avant, Smoke, hein. Combien de bouffe? 15 et 15, ça c'est bon. Je m'absente 30 secondes, les gars, je crois. Vas-y, vas-y. Je suis au bord de la piscine, je crois. Mets-moi là, stop, à cette entrée-là, c'est pas que c'est merde. Bouge pas, je vais aller. Oh. Le mec il rentre pour ressortir en entier, quoi. Comprends pas le principe. J'allais me mettre bout en marche arrière. Ah non, mais je te dis, je le dépose dans la poche à Dani, même s'il est en bas là. Et... Ah, mais par contre, ouais, non, je vais attendre parce que s'il est mal alimenté et qu'il me fait un truc chelou là. Comment on fait pour envoyer la position GPS du coup? Tu vas sur le téléphone et au lieu d'écrire, tu fais la flèche de droite au moment d'écrire, la flèche jaune. Ah, vous êtes là les gars? Ouais, ouais, Dani. Ouais, je prends les racines au bord de la piscine. Parce que je voulais te les mettre dans la poche, mais je me suis dit pour un peu, on va se barrer, tu vas tomber malaise, coma, mauvaise nourriture. Ah, ouais. Ah, je suis là. Failure, quoi, tu connais. Ouais. Là, on a blanchi 250, quoi. Je vais essayer de passer devant le Kumiko, voir si on voit Yann ou quoi. Ouais, mais là, il y a Jason qui arrive, donc on va attendre avant de se barrer, gros. Hop. Dani, il est arrivé? Bah oui, il m'a demandé la position GPS, je lui ai donné. On va attendre. Sinon, on va faire que de se croiser, ça va me saouler toute la soirée. Vas-y, je cherchais du coco. Vas-y, vas-y. Je crois même c'est Terry qui va à la mine là où il y a un... Je sais pas, j'ai envie d'aller voir à la mine. Je sais
Au pire, on peut aller voir. Hein. Okay. T'es où toi? Viens. Là. Non, bah, il arrive le mécano. On est pas pour longtemps. Oh la dureté. Vas-y, passe me chercher ou quoi? Des fois, il me déconne, les gars. La masse. Ça dit quoi, Smoke? Le mécanicien, je sais pas quoi. Ah, vous avez la mine, là? Bah, j'ai envie d'essayer de croiser Terry de ça, moi. J'ai envie de voir si on peut blanchir à 250 000 ou un truc, moi. C'est rien. Mais vu qu'on croise personne et qu'on a de numéro de personne, frère, on a que j'ai que 3 numéros. Faudrait que j'aille devant le commissariat et essayer de croiser des gueules ou quoi. Ou chia. Tu m'amènes à la mine d'or vite fait, Danny? Ah non, tu te couches peut-être ou tu veux le déco? Non. Vas-y, viens, on va à la mine d'or vite fait, voir si. Tu me mets le point? Ouais. À gauche, à gauche. Ah, c'est des rapaches qui... Ah ouais, il y a les watts. Tiens, arrête, c'est qui ça? C'est Jason. Ah bah t'es là mon pélo. Putain, t'as cartonné la caisse encore quoi. Putain, c'est vraiment des moteurs de merde là-dessus. Ah, c'est vraiment fragile ces moteurs. Ah ouais, non mais là j'ai pas fait. Ah ouais? Je vais chercher ma trousse à outils en espérant qu'il arrive, que bon, un collègue. Ok, bonjour monsieur. J'ai remis ma clé 12 dans ma valise. Ouais. D'accord. Ça marche. Mais bon, j'ai atterri sur les roues, donc ça va. Bon, putain, Ting, il a embauché des nouveaux dépanneurs, c'est bon ça? Ça va peut-être t'aller mieux maintenant. Ah, mais putain, à la limite avec Ting, je peux m'arranger comme lui, je sens qu'il a plus de putain de facture, ça. Ah, ça c'est sûr, mon pélo. Vas-y, attends, moi je vais avec Danny vite fait à la mine. Hey, eh Danny! Putain, il se bat! Putain, mais il est con, il fait le con devant le dépanneur. Vas-y, je vais voir juste à la mine au bout là-bas et je vais voir s'il atterrit et je repasse après. Ah putain, il a de la chance, il a les pièces. Vas-y, Jason! Ah nickel, merci. Ah putain! Vas-y, vas-y, avance, on se taille. Allez, bon courage, monsieur! Quoi? Attends, reviens en arrière! Est-ce qu'il y a Jason? Non, y'a rien! Ah, je disais que s'il arrivait à faire repartir le moteur, je pourrais dessus. Si vous avez été minutes. Ouais, mais bah. Ouais, mais en même temps, on doit repasser ici pour. Ah, bah, il est là, Smoke! Putain, ça y est, tout le monde est là! Ok. Ouais, bah, vas-y, on va attendre là. Attends, hein. Il a dit futur, il a l'air attendre. Pas parler de la fumée. Mais on va peut-être pas aller avec trois véhicules à la mine d'or de Terry, je sais pas si. Non, allez-y sans moi. Ah, vous allez à la mine. Vas-y. Mais ouais, moi je veux croiser Terry, j'ai pas son numéro, putain, ça me casse les couilles. Je vais aller devant le commissariat, je vais aller partout où il se pointe quoi. Essayez de voir quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est le bordel avec les numéros de téléphone, mon frère, j'ai que le tien, celui à Smoke et celui à Danny. Terminus. Tu gueules hein. Prends une pilule hein, tu gueules hein. Ah ouais, je gueule à ce point-là, là. Tu gueules. Ah putain, tu gueules, mais on n'entend plus les autres parler. Ah putain, ça sent encore mes pastilles de merde, ça. Alors, vous n'avez pas payé sur vous, monsieur? Oh là là, je sais pas. Non, je me casse. Parce que je ne connais pas ce mécano. Non, ça a l'air d'être à nouveau. Ah oui, pour les tours. Tout à ce temps, hein, je vais chercher le cahier.
Oh putain, ça sent la big facture ça, mon pélo. Viens, on prend l'avance. Ouais, parce qu'en plus, je suis sûr, il va pas être là-bas. Mais après, au pire, je fais ce que... De toute façon, je t'envoie un message, après, on va passer devant le commissariat, il va me déposer, Smoke. J'irai voir là-bas si je vois des gueules. Vas-y, avance, Smoke, j'ai mis un point. Vas-y, à tout à l'heure. Allez, bon courage. Non, elle est fermée. Ah putain. J'envoie un message à Jason, je lui dis que je vais au commissariat. Qu'est-ce que j'ai fait? You are on the key, ok. Attends-le, stop. Vas-y, bah trace, hein, si... Vas-y, avance. C'est bon, il a l'air de nous suivre. Oh putain, mais il va l'enculer. Regarde bien ce que je te dis, on n'arrive pas au comico qui va devoir rappeler le truc. Ah ouais. L'ambulance elle est là depuis tout à l'heure. Ah c'est le mec qui l'a parlé. Il y avait les keufs, il y avait l'ambulance, tout ici. Personne. Bah dans le bureau. Alors, en même temps, ouais. Il va pas nous faire une mine tout de suite alors qu'il va y avoir la tempête. Hein. Non, mais c'est pas une mine, c'est je veux le croiser pour son numéro, moi, c'est tout. Bah les couilles de la mine, moi. C'est les points RP que je peux aller le chercher, quoi. Cuff Smoke. Ah ouais. Mais non, c'est pas vous. Ah non, il... C'est le Joe, gros. Oh. T'es fou toi, quoi. Ça te teste tes camping-car de la ville, mon pélo. Celui-là est pas mal, hein. Celui-là, je dois reconnaître qu'il est pas mal. Quand je sors le truc là-haut là pour boire l'apéro en dessous là, putain qu'on est bien. Ah ouais. Ah putain. Ouais, je dois reconnaître que... Ah, j'ai touché un mec tout à l'heure là à l'avant droite. Ah c'est ça, ouais. J'ai juste bigné un peu le pare-choc et le phare quoi du coup. Mais ouais, ça se conduit bien. C'est robuste. Bah si tu veux mettre dans le coffre ou quoi, hein, Dan. Un truc comme... Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Tu mets la mallette là, hop, parfait, comme ça, nickel. Putain, un PNJ m'a tiré dessus, ce fils de pute. Oui, ça vient de tirer. Ouais, je vais tirer sa remorque, je voulais te faire tester derrière, c'est celle-là où normalement tu tiens vénère dedans. Normalement ça tient solide, hein. Faut que tu te mettes vraiment bien au milieu. Ah, ouais, stop là, par là. Par contre j'ai 2500 sur moi. Recule un peu. Mais c'est bon, je crois. Oh, celle-là elle est bonne. Ça c'est bon ça, on va faire un petit test quand même.
Putain. Fais X-Ro. Oh putain, là on y est. Quête-le le smoke. Il tient le con. Elle est stable hein, cette remorque gros. Vas-y, on va essayer d'établir un record. 130 km/h, route debout sur la remorque. Putain, elle a plus rien dans le sac, la bagnole, frère. Est-ce que tu penses on peut tenter un petit jump? Un petit truc léger. Ou un frein à main. Ah, j'ai décroché, non? Ouais, merde. Attends. Doucement. Comment il met ça lui? Oh putain, désolé gros. Voilà. Oh putain. Ce qu'il veut lui. Tiens, je lui ai mis un coup de remorque mon frère, il sait pas lui. Il était pas content, il se courra pas. Il a goûté coup de remorque lui. Salut. C'est qui lui, vous l'entendez? Tu l'entends Jason lui? Viens smoke là, c'est qui la Wiz devant? Je sais pas le mec. La quoi? Tu m'entends quoi? Ah, je me suis fait instancer, je suis tout seul là. Bah non, t'es mal Jason, il s'est barré en courant. Ah c'est moi, je me suis instancié. Le mec aussi, t'es mal le mec en violet là. Moi qui suis instancié. Il est venu devant moi gros, il s'est arrêté, je lui ai parlé, il se barre. Chelou. Son physique, il me parle pas. Non, je pas. Je me suis mis devant lui, il est direct en mode trail. Hey mec, tu m'entends là? Je me suis fait tirer dessus gros. Putain fais gaffe hein. On se fait tirer dessus par les gangsters là, fais gaffe. Planque-toi. Sérieusement là, vous faites tirer dessus par des joueurs? Ouais, je sais pas. C'est quoi ce bordel, les mecs qui nous tirent dessus là, ils sont sérieux, moi je les allume un par un moi. Faites attention, rentrez à l'abri les mecs. Ah ouais? Ah mais là il est pas là là. Non je sais pas, c'est peut-être pas une rasta, enfin on va voir, Smoke c'est peut-être le dépanneur, j'ai l'impression son PNJ il était tox de ouf. Putain. C'est un Smoke ou quoi? Oh putain le bordel. Ouais, du coup, ça a ramené tous les dépanneurs. Ouais, je confirme. Le mec, il lui a mis une droite. J'ai coursé le mec, il m'a pas répondu. Et je sais pas si t'as vu, au moment où t'es arrivé, j'ai tiré le mec dans la rue, là. C'était lui, là-bas, là. Et après, je sais pas c'est qui, l'autre gars, là. Ça doit être des moldus, j'espère. De toute façon, vous allez voir si vous allez avoir des demandes. Comment? Ouais, ok. Si... Clairement des moldus. Ah, ok. Ouais, ça me rassure parce qu'il avait quand même un physique qui était pas moldu le premier, celui qui a boxé Smoke là. Ah ouais. Putain, tu t'es bien fait masser Smoke, hein, j'ai vu ça, bordel. Ouais, à mon avis, ça devait être son personnage à lui qui a dû décrocher de la planète. Mais bon, en tout cas, méfie-toi la prochaine fois, Smoke, t'as vu.
Le mec il t'a allongé direct. Ouais, par contre Smoke je t'entends super loin, y'a un problème. Ça va au niveau de la voix Smoke, je t'entends super. Ça va la gorge, il t'a mis un coup à la glotte ou quoi? Ah excuse-moi. Ah ça va mieux. Ah ouais, nickel. Ah c'est mieux là. Ah ouais nickel nickel. J'ai pas compris hein. Le mec j'ai voulu lui parler, il m'a tapé dessus direct. Ouais j'ai vu, j'étais devant le LS Custom au moment où c'est parti en couille votre truc là, putain. J'ai rien compris. Ah ouais, puis moi l'estomac, il m'a mis une balle dans l'estomac, le couillon. Bon ça va, elle est ressortie direct. Bon bah en tout cas merci hein, messieurs de vous êtes déplacés aussi vite. Là-haut. La calotte de ses morts. Le mec est torse nu, il craque. Ah je cherche un... Garage, t'as torse poil. Non, je cherche une tenue mon frère. Une tenue un peu plus sérieuse. Tu ah, peux mon... pas aller dans un magasin, dans un vestiaire au chaud là. Ah non mais non. Enfin si, je vais te voir mais... C'est trop une galère. Ah tu peux garder celui-là, c'est parfait. Y'a quoi là-haut? Y'a une soirée ou quoi? Ah c'est leur bureau là-haut. Je crois que c'est là qu'ils cachent leurs choses. Ah ouais? Oh ah, putain! Pas sorti le vieux pull. Ouais, y'avait plus que ça, c'est, faut que je repasse à une boutique. Bah, faut que je repasse à la boutique, y'avait que de la merde dans le coffre de Jason, j'avais pas le choix. Ah, y'a pas de problème. Tu veux ce que tu veux. Je passerai, ouais, faut que j'aille rechercher ça. Putain, vous avez une petite salle de muscu et tout là, c'est cool. Ah, en fait, c'est pour ça. Ça me rappelle à l'ancienne. Mais non, t'es fou, Jason. Ouais, une merde de pigeon géante qui s'est écrasée sur. Attention, attention, Jason. Attention quand même, mon pélo. Oh putain, y'a un skate, j'ai failli me casser la gueule. Non, mais d'accord. Hop, on ramasse les lunettes. Ah, je m'attendais pas à ça. Ouais, tu t'es fait gicler dessus par un géant. Ah, ou j'ai mis. Il a dit gicler dessus par le Yeti. Ouais, mais t'es fou, toi! Moi je suis amateur de femmes fontaines, mon pélo, toi, tu sais pas encore, toi! Ah ouais, les gars! Eh, c'est de la cyprine, ça, mon pélo! Ouais, les gars! T'as mis la tête entière et. Y'a tout le chien! Ah, y'a des grosses cochonnes, putain! Y'a de la grosse cochonne! On pourra dire que ça, c'est des fistes, toi! Oh putain! Sacré fist! Eh, les gars, moi je voulais. Fiston! Et je retire la crête en général! Ouais, bonne nuit, Gudin! Yes, aïe! Yes, tu vois! Bon bah vas-y on va y aller hein, let's go. Putain on peut prendre une petite boisson fraîche là, je peux prendre un petit coca avant d'y aller Ding ou quoi? Ah ouais ouais, distributeur. Ouais c'est merde. Mais je sais pas si le distributeur il va encore. Ouais t'inquiète t'inquiète. C'est pas comme à la police ils ont toujours le café de près mais nous ça dépend. Ah bah ouais c'est clair. Bon bah en tout cas merci hein Ding. Ah, pas de problème. Bonne fin de soirée, peut-être à plus tard. Yes. À bosser, hein. Ça marche, c'est cool. Au pire, si vous voulez mon numéro, je demandez à Monsieur Saké. Ouais, ça y est, il nous l'a donné. Ça y est, on l'a noté. Ok, nickel. Celle-là aussi, elle est sympa. Ah, t'as vu celle-là? Eh ouais, ça fait quelques mois qu'elle est en réparation aussi. Il galère à trouver les pièces, mais putain, qu'elle est belle celle-là. Ah, il y a Monsieur. Parce que je vais si ça marche. Qu'est-ce qu'il y a sous la bâche là? On pouvait faire à peu près la même chose. Bah ouais. Sous la bâche là, y a quoi là? Ça c'est. Ah, sur la bâche, c'est un prototype. C'est ça que je veux voir. Je vous le dis, hein, mais normalement, ça serait la Turismo R. Waouh! Ah ouais! Ah mais j'ai pas après, le droit de vous montrer. Il a pas d'argent. Oh là là, ah ouais! Bah, elle est belle. Ah, attention! Attention, Jésus! Ah, tu m'as fait sauter une chico, enculé. Peut-être un jour, ça sera dans le concessionnaire, je sais pas. Ah ouais! Un jour, peut-être, ils la débâcheront, ils la mettront à vendre ou quoi. Elle va pas les Jay, il va où là votre Jason? Il va essayer les casiers ou quoi Jason? Où tu vas là mon pélo? Non, je vais voir le cul de la tourisme. T'as envie d'être dépanneur toi, hein? Au fond de toi, t'as envie de devenir dépanneur. Tu peux en parler à Ting, hein? Peut-être que. Dans les semaines à venir, les mois à venir. Un cul hyper sexy, je l'ai vu dans les magazines. Ah ouais? Ah, elle est belle. V10 superchargeur. Ah, moi c'est celle-là là-haut, hein. V10 superchargeur, c'est le best. Tu peux pas tester. On a de belles voitures, hein, mais bah, déjà, monsieur.
Non, ça va pas de, avec votre voiture, il y a moyen de mettre un moteur tel que ça. Hein. Ouais, ouais, bah en fait, je l'ai mis, mais. Normalement, sur votre. C'est hier. Pas un sabre turbo que vous avez ? Non, c'est une Virgo. Mais hier, je me suis fait enculer, en fait. Ah, je suis passé, tu sais, changer les pièces. J'ai claqué un peu plus de 20 000 dollars dans ma bagnole. Et puis, comme un connard, j'ai pas fait la petite manip à la fin, tu vois. Donc, je suis sorti avec, j'ai passé la soirée avec. Mais ce matin, en la sortant, putain, elle avait repris l'aspect d'hier, quoi. Du coup, j'ai perdu de la thune. Ah merde. Mais bon, ça m'apprendra. Ouais, c'est sûr, ouais. Ça m'apprendra, c'est de ma faute. Ah, c'est sûr, là, c'est pas. Eh, du coup, tu verrais sur la mienne. Ah, bah, au pire, si vous cherchez une voiture comme ça, il y en a une qui traîne des fois du côté de. Des Ricanos, là, tout ça, là. Ouais, mais la mienne, elle me plaît bien. Mais le problème, c'est que là, tu verrais, ils m'ont rajouté une roue de secours. Au pire, je passerai de voir avant de la retirer, tu vas rigoler. La roue de secours, elle est énorme, quoi. Déjà que la bagnole, elle fait 9 mètres. Alors là, avec la roue de secours, je suis pas loin des 10 mètres. Ah ouais, d'accord. Le pare-choc est moulé dans la roue à l'arrière et tout, tu verrais, c'est un délire, quoi. Putain. Ah ouais. Un corbillard, bordel. Ah ouais, c'est devenu à moitié un corbillard, mais bon. J'ai le moulin comme celle d'en haut, là, pareil maintenant. Ah, bah ça c'est bien, hein, parce que ça fait une grosse voiture américaine. Ouais, j'ai gagné, je crois, en vitesse de pointe, j'ai gagné 5 km/h, je crois. Pas mal. Ouais, 5 km/h, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, je suis passé de 152 à 157, là. Ah ouais, avec ma Virgo. Ah ouais, bah. 100 chevaux, moi. Ah ouais, mon pilo. Ah bon, avec les quelques améliorations sur une seule temps, j'ai réussi à gagner à peu près 20 km. Ah ouais, bah c'est sûr, sur les voitures plus sportives, c'est clair, on en gagne plus, c'est bon ça. Ah, bonne route. Hein. Ça marche, messieurs. Bonne journée à vous, bon courage. Ouais. Merci, ouais, bonne soirée plutôt à cette heure, c'est vrai. Putain, la notion du temps, moi je suis un ouf. Il y a un beau soleil en tout cas. Attends que je sois bien monté, Smoke, que j'arrache pas la portière. Ouais, nickel. À plus tard, messieurs. Tu planques dans la caravane? Non. Au pire, j'aurais pu. Hein. J'avoue. C'est comme vrai, ça. Frère. Celle de gauche, par contre. Ouais, voilà, celle de gauche. Non, pas celle-là, gros. Ouais, derrière. Ouais. Celle-là, attends, mon pilote. Je crois qu'il y en a une encore mieux. Ah ouais, avec l'électricité celle-là, ouais, mais on peut pas rentrer dedans, je crois. Ah, au fond, il y en a une. Voilà, mon pélo. Ah ouais. Ah, les mecs qui viennent me trouver là, mon pote. Ah ouais. Ah, faut que je change de pull aussi, putain, j'espère qu'il y a de la sape là-dedans. Ah voilà, il y a un cocktail de banane, orange, machin, je suis refait. Je peux tenir au moins 24 heures, là. Franchement, je suis à l'aise. Tu montes sur la table, c'est d'arbre. Ça dit quoi? Tu me repasses le bif ou pas, gros? Ah oui, putain. Histoire que je reste pas là pour rien, quoi. Putain, faut que je change de pull de gland, là. Débarre celui-là, gros. En plus, on voit un bout de mon téton, sa mère. What the fuck? J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ce côté-là. Je suis jamais à la même queue plan, frère. Je regardais, tu m'as dit de Sunrise, je t'ai garé là. J'ai fait, tiens, j'ai fouillé le garage. Il y avait rien dans le garage. J'ai monté les marches. Et là, ça m'a dit, reviens avec de l'argent. Ça te dit là, ici? Ah non, là-bas, ok. Putain, il me fait flipper, lui, je suis en train de regarder, moi. Allez, dis-moi que ça n'a pas été fait, là. Dis-moi qu'il est. Dis-moi qu'il est bon. Vous êtes où? La blanchisserie a trop travaillé. Putain, il l'a. Ouais. Ah mais nous aussi, mon gars, maintenant. Alors vous savez ce que je vais faire, les gars? Je vais vous filer à tous au moins 100 000. Tous les trois. Ça, celui qui sera connecté le plus tôt, je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Tiens, monte Smoke, je vais te filer direct 100 000. C'est moi qui ai reçu. Tiens, reviens, Jason. Pourquoi?
Je vais te rajouter 50 000. On sait pas c'est combien le montant. On se trouve c'est 150 000, j'en sais rien. Avant c'était 100, mais vu qu'ils en ont rajouté, c'est peut-être. On sait pas. Hein. Vous, je vous donne un petit peu plus large et on regroupera après. J'ai fait. Oh.